Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine j'avais la flemme de faire des choix, du coup j'ai laissé ma famille choisir mes tenues à ma place. Ça risque de vous piquer les yeux, mais je vous laisse quand même avec la suite. Aujourd'hui c'est lundi et c'est ma mère qui va choisir ma tenue. Bon, bien sûr je m'habille en fonction du temps, je suis désolée, il fait pas tous 31 degrés chez nous. En Irlande il y a un peu les 4 saisons, le matin il fait beau, après ça se découvre un peu, ça se trouve il va pleuvoir. Donc ici il y a tous mes pulls, là il y a mes petits trucs inédits que j'ai jamais portés. Là il y a tous mes t-shirts, bon c'est un bordel, de toute façon c'est pas super pratique. Et là il y a mes jeans, donc mom, the slim, etc. Tu veux quoi? Tu veux quelque chose serré, noir, avec des trous? D'accord, et peut-être mettre un t-shirt en dessous parce que s'il fait beau, comme ça je pourrais l'enlever. Ok, et pour les chaussures, tu veux quoi? Elles sont là les chaussures. Tu veux quoi avec la tenue? Voilà, je pense que ça va très bien comme ça là. Tu veux me choisir un petit accessoire? Un petit bijou comme ça. C'est tout pour la tenue? Ok, merci. Donc voici la tenue que ma mère a choisie. Après je peux ajouter le petit pull au cas où si j'ai froid. Du coup ce que j'aime bien c'est le rappel de couleur avec le petit logo comme des garçons et le pull. Le pull est mignon mais je me verrais pas au point de faire un photoshoot Instagram avec. Je le porterais plus si jamais j'avais envie d'être cosy chez moi. Donc j'avais la flemme en cours, mais là on parlait plus de cours. Je suis en vacances. D'ailleurs bonne chance à toutes les personnes qui passent genre leur brevet, leur bac, leur examen. Je crois en vous. Moi cette année je profite, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine j'aurai un mauvais karma. Ça va faire mal. Faites pas des acryliques, genre je peux rien faire. Ils sont même pas super longs en plus, hein, c'est ça le pire. Et je peux vraiment rien faire, genre boutonner une chemise c'est impossible. Mettre une chaîne, j'en parle même pas. Je vais aller rendre ça. Et je n'ai jamais fait une commande aussi moche de ma vie. Genre il y a 2 trucs sur 10 qui m'ont plu. Je sais pas trop ce que j'avais pensé le jour de la commande. Les parents, écoutez, j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous avez bien ma tenue? Oui. Deuxièmement, c'est que pourquoi le chien? Golden Retriever si c'est possible. Tiens Thomas, viens faire un vœu. Tiens pas. Tu vas être lancé comme on veut. C'est pas ton vœu. Tu commences par C. Ah je vais sauver. Arrête. Maintenant on va faire un vrai vœu pour le truc qui commence par un C. C'est pas du tout ce que c'est. Hein. Ok. Sinon ça va se réaliser. Ok. Prêt? 1, 2, 3. Ah, débile, pourquoi t'as fait ça Thomas? Ça peut se réaliser notre rêve. On va jamais avoir de chien. Oups. J'avais faim. Il y a des marches, des marches. C'est infinissable. Du coup, on rentre de notre petite balade, il y a toute la mif dans la voiture et nous allons aller à 2-3 drive-thru. En fait, je vais filmer une autre vidéo le même jour, c'est un concept. Je suis désolée si j'ai pas trop vlogué aujourd'hui, j'ai principalement consacré ma journée à ma vidéo mukbang que je vous mets juste ici. C'était grave cool en fait, j'ai mangé seulement les trucs qui étaient en vitrine et ma chambre sent toujours le poulet donc c'est horrible. Et après ça j'ai fait le montage et là je suis la pose demain. We love an active queen. Du coup cette tenue était super confortable pour faire du montage, pour filmer, merci maman. Et demain j'ai un peu peur parce que c'est le tour de mon père et comment dire que c'est pas trop une icône de la mode. Aujourd'hui c'est mardi et hier soir j'arrivais pas à me coucher, du coup je me suis couchée à 1h du matin et j'aurais pu me réveiller à n'importe quelle heure. Mais non, je me suis réveillée à 6h40, genre tout va bien dans le meilleur des mondes. Du coup aujourd'hui c'est mon père qui va choisir ma tenue. Annabelle, aujourd'hui c'est pas beau, alors on va choisir une tenue qui est quand même bien chaude, quitte à sacrifier un peu le look. Ouf. Ah bah oui. It's gonna be rough. Moi je suis assez, oh assez partant pour ça. D'accord, avec quoi? Ensuite, le jean c'est en bas. Oh, je suis déjà fatiguée. Ça va être une longue journée. Un jean comme ça, ça ira très bien. Ça fait un look un peu comme fille et tu seras très bien à la maison pour ça. Comme ça, ça sera très bien. Little Fendi moment. Oh, j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est un bon look sympa. Bienvenue chez moi. Donc, hier, t'as mis celle-ci. Le rangement, c'est maintenant. Oui, hier, j'ai mis ça. Je te propose de mettre ces chaussures. Air Force One. Hi, how are ya? Donc voici la tenue d'aujourd'hui. Franchement, je préfère qu'hier déjà. Donc le mom jeans, il est un peu froissé. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu née dans un mom jeans, pour être honnête. Le t-shirt Fendi est trop beau. Seulement, il fait un temps de merde. Du coup, je pourrais pas le montrer à tout le monde. Mais voilà, on a ce petit pull original qui bloque le passage. Franchement, ça va. J'ai un peu sous-estimé mon père. Je pensais vraiment qu'il allait me faire un look waouh qui pique les yeux. Après, c'est pas des looks de fou et de me mettre vraiment en confort en premier, genre pull direct. On va pas jouer aux petits départeurs et aux petites vestes. C'est genre pull. Tu mets un pull et tu la fermes.
Du coup, ma journée était plutôt cool aujourd'hui, genre un peu monotone. Je suis allée sur Netflix, la routine. Je vais me faire un petit masque. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu périmé. Si j'ai des plaques rouges demain, vous savez pourquoi. Hier, je regardais tranquillement mon petit épisode de RuPaul's Drag Race. Et après, je décide de stalker l'une des personnes. Ce qui était vraiment une mauvaise idée parce que je me suis spoilée toute la fin. Super! Du coup, quand vous commencez une série, une émission, n'allez vraiment pas sur Twitter ni sur Instagram. Vous risquez de pas voir des jolies choses. Maintenant que je ressemble à la réincarnation de Shrek, je vais siroter un peu de Vassa. Parce qu'avoir 2 litres d'eau dans son système, bon, ça va pas faire tout seul. Je sais pas vous, mais moi il y a tout le temps cette période qui dure généralement environ une semaine où je suis super motivée. Tous les jours je me réveille, je fais des petits exercices d'abdos, je bois énormément d'eau, je suis à fond on the fucking grind. Et puis après, je ressombre dans cet état là quoi. Hier j'ai mangé pour 6 au fast food, enfin en même temps c'était pour ma vidéo. Aujourd'hui j'ai commandé des pizzas, cookies, frites et les petits pains à l'ail. Je me suis un peu fait manipuler par les deals de Domino's. D'ailleurs la pizza a pris 1 heure à venir et le delivery m'a dit si jamais il y a un problème tu peux nous appeler et on te fera une pizza gratuite. Du coup on a fini de manger, la pizza était bien chaude, bien onctueuse. Et avec mon frère étant des petites vermines, on a appelé, on a dit notre pizza était un peu froide, vous avez pris 1 heure à venir. On aimerait bien avoir un petit deal, une petite réduction, un petit coupon. Et du coup la dame très gentiment m'a dit que pour ma prochaine commande j'aurai 25€ de réduction. Bref, tout ça pour dire, il faut que je redevienne une healthy queen. Et c'est pas en arnaquant Domino's que ça va marcher. Après, je les ai pas arnaqués, hein. Le mec m'a littéralement dit à ma porte, si t'appelles, t'as une pizza gratuite. Enfin, qui le ferait pas. Je m'ennuyais paisiblement et je me suis dit pourquoi pas faire 2-3 rénovations dans ma chambre. Du coup, je suis en train d'imprimer des petites photos qui m'inspirent et je vais les coller sur mon mur. Donc je suis très fière de vous présenter mon mur. Celui-ci compose des jolies petites photos qui vont m'inspirer chaque jour à me préparer. Voilà à quoi mes vacances ressemblent pour l'instant si vous êtes intéressés. J'aurais pu sans doute faire une vidéo où je reloue toute ma chambre mais j'avais la flemme d'attendre. Du coup, voici voilà. Vous avez du content en plus que vous n'avez pas demandé et que vous ne savez pas que vous avez besoin d'un body. Du coup demain c'est le frère Thomas qui vient me faire la tenue. Ce challenge me fatigue un peu, je vous cache pas. Je suis en vacances, je l'ai répété 40 fois dans la vidéo, mais je suis le seul membre de ma famille à l'être. Du coup, je suis obligée de me réveiller à des horaires monstrueux juste pour avoir 10 minutes de vidéo où je choisis ma tenue tous les matins. Assorti à mon coussin. Tu valides le mur? Hein? T'as hâte pour me faire la tenue demain? Non. Hey tout le monde, je vais pas le cacher, je suis archi fan de mon petit mur là-bas. Aujourd'hui c'est mercredi et c'est Tom Tom qui va me choisir la tenue. Je sais pas trop quoi m'attendre avec lui, je pense qu'il va me faire le truc un peu plus fantasy. Parce qu'il est devenu ma mère et mon père, c'était ultra méga simple. Mais j'aurais trouvé une m'avoir en chien, genre ça aurait été parfait pour le challenge. Genre je lui donne deux t-shirts, tu veux lequel? Renifle celui que tu veux que je porte aujourd'hui. Et je suis désolée pour ma voix et pour cette gueule quoi, il est genre 8h du matin. Aujourd'hui ça va être une journée très excitante. Et un poco... excitante, très excitante si vous parlez pas espagnol. On va s'aventurer en ville. Thomas, es-tu prêt pour que je fasse une tenue? Oui. Je l'entends plus fort. Oui. Avale ta cracotte et dis-moi oui. Oui. Choisis-moi une petite tenue que tu me verrais bien porter aujourd'hui. Donc je te dis le thème de la journée. Je vais aller en ville avec une copine, je vais mettre bien. Oh putain, c'est un truc basique. Je vais aller voir des petits musées, peut-être faire des petites photos Insta, qui sait. Donc s'il te plaît, ne me foire pas. C'est kinda cute. Et tu me prends quoi comme pantalon avec? Donc tu me choisis quoi là? Ça. Petit mom jeans pinky. Ça se voit que tu regardes mes vidéos toi. Et pour les chaussures tu me choisis quoi? Pas mal. Petit rappel de couleur, vous savez déjà ce que je vais dire. Plutôt fan de cette tenue. Choisis-moi un petit accessoire pour pas que la tenue soit trop simplée. Ok. Ça. Petite montre. Et ça. Petite barrette non? Ça, ça. Bon t'es en train d'ajouter tous mes accessoires. Bah c'est cool, merci Thomas. Quoi? Bonne journée à l'école! Travaille bien, fais bien tes devoirs! Vous savez déjà ce que j'en pense du mom jeans pinky. J'ai pas besoin de rabattre sur la chose. Et contrairement aux autres membres de ma famille, il m'a choisi beaucoup d'accessoires, ce qui me fait plaisir. Tu vois, voilà, c'est déjà mieux. Petit fun fact sur moi que vous n'avez vraiment pas besoin de savoir, je ne me sèche jamais les cheveux. Il n'y a pas d'explication derrière, ça prend trop de temps. Oui, je suis littéralement en train de mettre du gel pour les sourcils sur... mes cils en guise de mascara. En fait,
pas du tout la flemme de mettre du mascara, genre c'est chiant. Tu peux pas te gratter les yeux en paix, tous les soirs tu dois l'enlever, enfin c'est juste fatigant. Du coup pour un petit effet kawaii on rajoute du blush. Ça me rajoute déjà quelques points en cuteness. Je suis passée de moche à un peu kawaii. Donc aujourd'hui pour la tenue nous avons un petit pull. We are the champion. No time. Ok. Et un mom jeans pinky avec une petite chaîne qui vient de Tolski. La montre Oscild et la bague Pandora. Et les petites chaussures Converse One Store que je chausserai plus tard. Mon frère il est vraiment parti là-bas avec les accessoires. Il a poussé le look, je suis fière de lui. Devinez ce qu'il m'avait racheté. Le vilain. Fais une petite purée d'avocat, un petit zeste de citron comme on les aime. Donc aujourd'hui mon petit déjeuner, ou je pourrais appeler brunch, se compose de la moitié d'un pamplemousse. Je comprenais pas trop tout l'engouement autour d'une moitié de pamplemousse, pourquoi les gens ne mangent pas un pamplemousse en entier. Mais en fait, quand vous mangez un pamplemousse en entier, c'est un peu too much, genre tu veux vraiment pas manger un pamplemousse en entier, du coup bah, la moitié d'un pamplemousse. Un petit bagel avec de l'avocat, il n'y avait pas de pain, du coup bah, c'est un bagel, écoutez. Avec les moyens du bord. Deux œufs, en fait de base je voulais en faire un, mais le premier était horrible. Du coup j'ai voulu en faire un deuxième, mais il est pas tip top non plus. J'ai tellement faim. Ouf, j'adore les petites explosions de citron par-ci par-là. On va passer au pamplemousse. Il y a quelques années je pouvais pas en manger à cause du médicament que je prenais pour ma jambe. Mais du coup là j'en profite. D'ailleurs aujourd'hui ma jambe elle va bien. Des fois elle a des petites pulsions, genre un coup ça me fait mal, un coup ça se calme, je sais pas trop ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Par contre manger un pamplemousse c'est pas tous les jours facile. J'ai limite envie de le boire tellement il est compliqué à manger. Ça m'explose de partout. J'ai décidé de le traire et d'en faire un jus. On va faire un petit shot de vitamine. Waouh ! Ouf, c'est un peu amer. Quand un pamplemousse est trop chiant avec vous, vous allez retourner sa peau, vous allez manger comme ça. Et il n'y a aucune trace du pamplemousse à part sa peau. Du coup maintenant on va manger ça. C'est très bon pour la santé. Non c'était une blague. Du coup là je suis calée. Et si vous avez fait le même déjeuner et vous avez toujours faim, je vous propose de manger l'autre moitié du pamplemousse. Il est malin le vaccin. Pas une pub ça. Je suis prête. Let's go to town. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas sorti mon cul. Bon ça fait un jour. Ces deux derniers jours je suis désolée, je sais pas trop ce que je vous ai sorti. Mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur. C'est la journée où je vais vlogger. J'enfile mes petits souliers. Avant de partir, faudra bien te couvrir. Dehors il pleut. Quel est le genre de mois de juin? L'année dernière j'étais en période d'examen. Il faisait beau, puis là j'aimerais bien aller à la playa, bronzer, me mettre bien, sous le soleil des tropiques. Mais apparemment ça va être impossible. Est-ce que vous étiez au courant que j'avais des AirPods? Moi j'ai un peu oublié leur existence à vrai dire. Genre ils sont archi pas pratiques, tu dois tout le temps les charger. Moi j'ai ma caméra, mon téléphone, mon ordi à charger, j'en peux plus. Du coup là je l'ai fait pour pas culpabiliser des avoirs de ne pas les utiliser. Après quand tu veux écouter de la ASMR, tu vois t'es au calme, t'es bien. Et tu vas presque t'endormir et tu te dis... Merde, j'ai un peu peur que l'oreillette gauche elle tombe par terre en dessous de mon matelas et que je la retrouve jamais. Après t'es bien au calme et t'enlèves tes cheveux et puis le truc qui se bat. Genre je vous promets, c'est pas pratique du tout ce truc. Je suis la seule personne à vous le dire, j'ai jamais entendu personne qui dit n'achetez pas d'AirPods, mais je les ai, j'ai fait l'expérience et n'achetez pas d'AirPods. Point à la ligne. On se rejoint avec Mila. Ça fait un petit bout de retour pour vous jouer des mauvais tours. Je suis désolée pour ma veste en fait. Petit story time. J'ai laissé mon vrai manteau, genre ma veste du manager, ce que j'adore, dans mon coffre. Et il y a ma carte de bus en plus de bon. Ah merde. Ouais. Et du coup j'ai mis le petit manteau de ma mère avec une petite capuche. Donc ça vient de Quechua, donc Décathlon. Et c'est un peu moche. On adore. Et on va aller au National Art Gallery voir des petits tableaux et se cultiver. Donc on vient juste de rencontrer des abonnés. Trop bizarre. Mais Mila était genre yes. J'étais à côté comme ça genre. On va aller dans un espèce de truc à crêpes à Temple Bar. On a encore trouvé le truc de crêpes, c'est pas du tout à Temple Bar. C'est super gênant. Genre le mec il arrive avec le plat, écrit ton prénom. Ils vont bientôt dire mon prénom juste. Le mec avec la musique. Putain ma capuche. Merci Décathlon. En fait on est un peu déçus parce que ça coûtait super cher. Un peu overhyped. Un peu un piège à touristes. De retour avec mes petites vues panoramiques 360 degrés. Let's
France. Let's France. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Tout le monde a ça. Kanye West, tu dis que c'est les petites lunettes qui sont à la mode, mais bon, moi ça me va pas trop. Là est une balance, donc le livre en anglais, on vous éduque. Et du coup, dans ce livre de recettes, nous pouvons savoir en fonction de son signe du zodiaque, les recettes de cocktail. Alors, moitié de vodka, un petit peu de green apple. Du coup, Mila est une balance. Cette couleur est conseillée pour elle. Je vais la mettre. Attends, moi, Aquarius, par contre, c'est super moche. Donc, je suis rentrée du centre-ville, c'était super. Et là, je vais appeler ma mère maintenant. Ça va 2 minutes, je vais pas me réveiller à 7h15 tous les jours. Comme ça, c'est fait. Je me réveille à l'heure que je veux demain. Mommy, it's time to pick my outfit. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare un habillant pour mes 6 mois? On va pas tricher, maman. Non, dis-moi. Parce que tu veux. Tu veux mettre la classe ou... Je veux une tenue stylée. Ça veut dire? À ton avis. J'ai l'impression que la définition stylée pour ma mère, c'est élégant. Elle me sort un petit tailleur. Je sais pas trop ce qu'elle nous concocte. Non. C'est ta tenue? C'est ma tenue, c'est de marque. D'accord. Les chaussures qui sont crades. Tout noir. Quand tu veux des couleurs... Un peu de tu triches, maman. C'est pas bien. Donc c'est bon, la mère a fait son choix pour la tenue de demain. Assez simple. Après, il y a une petite touche de léopard. Hey tout le monde, aujourd'hui, il est... Du coup, mon corps est toujours habitué au petit rituel qui s'est installé pendant... toute l'année scolaire. Je vais devoir voir ça comme un atout et en fait d'être plus productif le matin. En plus, je pensais pas que j'en me réveillais. À 7h, j'étais dans mon lit en train de regarder les réseaux sociaux étant la petite influenceuse que je suis. Pendant que tout le monde est en train de dormir, moi, je vais... On l'en fait. Pendant que tout le monde est en train de dormir, moi je suis en train d'écrire mon avenir. Du coup, je vais enfiler les habits que ma mère avait choisi hier et je vais me diriger à la bibliothèque. J'essaie vraiment de me divertir un maximum gratuitement. C'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, je vais pas mettre ma veste Decathlon. J'ai retrouvé mon manteau et deviné ce qu'il y a dedans. Bon, pas ça. Ma carte de bus. La bibliothèque, elle ouvre à 10h. Du coup, j'ai le temps de faire ce que je veux. Et j'aimerais bien tester les fausses taches de rousseur. J'en ai jamais fait de ma vie. Je peux déjà prédire que ça va être immonde. Juste, je prends un crayon pour les sourcils et... Je suis censée faire ça? On dirait juste que j'ai des pendards partout, non? J'étais super fière de moi, je faisais un bon travail et j'ai un petit accident. En fait, sur un coup de tête, je pense, je vais pas prendre le bus. Je vais prendre le vélo, je vais m'être bien. Je vais faire mon sport de la semaine. Du coup, voilà mes petits faux freckles. C'est un peu gênant ce zoom. Je suis dans le jardin, je profite du beau temps pour une fois. J'ai mangé la moitié de mon autre pamplemousse. En fait, j'ai sorti mon vélo qui est dans ma cabane. Je sais qu'il y a une énorme migale qui vit là-bas. Je fais un petit check, elle est pas dans sa place d'habitude et tout. Je me dis mais merde, elle est où? Et là je vois, elle est derrière moi. J'ai essayé de sortir mon vélo, la roue elle était coincée avec un autre. Je tire et tout, j'arrive pas. Derrière il y a la migale qui m'observe et qui peut sauter sur moi à chaque instant. Donc voilà, cette expérience m'a vraiment forgée. Avant de partir, je vais montrer la petite tenue. Oui, j'ai pas eu la patience de mettre les AirPods. T-shirt Brandy, pantalon Bershka, chaussures Nike. Let's go. J'en arrive à la plage, j'ai garé mon petit vélo juste ici, regardez ma petite vue. Je me suis trouvé un petit livre d'Odie, je l'aime trop, genre c'était une youtubeuse, après maintenant elle fait des musiques et tout. Je viens juste de monter la plus grande falaise de mon quartier, sans m'arrêter non-stop. J'ai tout donné, je me suis posée et tout, j'ai cru que j'allais vomir. Mon cœur il battait tellement vite, je suis tellement huileuse là. Je pense bien j'ai brûlé les crêpes d'hier, donc ça au moins c'est un point positif. Je suis chez mes amis, ils ont un château gonflable, c'est cool. Talent de gymnastique. Premièrement, elle va hyper en avant, en arrière, pour rouler, rouler. Du coup, là, je vais aller me coucher. Petite soirée mouvementée. Je raconte tout ça demain parce que là, j'ai vraiment plus d'énergie. Aujourd'hui, c'est vendredi et du coup, c'est ma soeur qui va passer. Mais elle habite pas avec nous, du coup, elle est ici. Et voici mon armoire. Donc, tu veux me choisir quoi? Ça? Ah non, je connais. T'es trop vieux. Ouais, trop vieux. Au pire, tu veux mettre un t-shirt par-dessus? Ah, tiens, ça. Avec ce qu'on a acheté en friperie, ça, pour ça. Ah, ouais. Tu peux utiliser genre le bas et après tu rajoutes un t-shirt par-dessus. Comme tu veux. Ok, ouais. Tu veux faire ça? Ouais. Donc on a ça. Et du coup, comme t-shirt. C'est trop beau, mais c'est beau, non? J'ai ça. C'est un t-shirt oversize. Ah, c'est pas mal, non, rien. Ouais, j'aime trop. Peut-être genre
genre le haut avec un jean en fait, mais pas tout rouge comme ça. Du coup, ma sœur, elle a trouvé le petit t-shirt Pulp Fiction, je trouve trop beau, et je l'ai jamais porté. Et la layer avec un petit truc Tommy Hilfiger qui a aucun rapport. Et par contre, on a essayé avec la combi et ça fait vraiment trop rouge, donc on aime pas trop. Tu m'as proposé quoi du coup? De mettre un jean. Ouais. Du coup, j'adore la petite tenue. Et voici les chaussures que ma sœur m'a choisi. Trop contente, ça fait le rappel de couleur avec le rouge. T'es la seule qui a essayé de tenter un petit truc. On a essayé la combinaison, ça allait pas trop. Alors que maman était genre, mets le tailleur, mets le truc noir. On s'est pas trop aventuré très loin. T'aimes bien Lena Situation? Ouais, mais elle a l'air percée. En plus, ces trucs. Du coup, on la kiffe. Ces trucs Jennifer, t'as vu ou pas? Elle a fait une collaboration avec Jennifer, les trucs ils sont trop beaux. Et elle a pas ouais. Ben Annabelle. Quand je regardais la vidéo, j'étais genre. Oh bon, c'était pas pour moi, bien évidemment, mais ça m'a quand même fait un petit choc. Du coup, voici la tenue que ma soeur m'a choisie. Je l'ai mis juste ici. Je suis en train de faire un zoom sur ta tête là. Du coup, en fait, elle a pris un t-shirt Tommy Hilfiger qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Je sais pas si vous avez mon petit haul. Avec un pull Pulp Fiction Lupsona, un petit mom jeans Primark, on peut être choqué, oui Primark font des trucs mignons des fois, et des petites comme des garçons. Je sais pas. Ma soeur elle avait un peu galéré au début, elle m'a fait essayer la petite combinaison rouge avec un crop top, après elle m'a fait essayer avec un petit t-shirt Pulp Fiction, c'était mignon mais le temps n'était pas présent. Du coup il fallait absolument qu'on layer avec quelque chose. Et on a essayé de layer le t-shirt avec le petit top rouge. Seulement ça faisait bizarre, c'était vraiment chelou. Et du coup elle m'a dit tu sais quoi, enlève la combinaison, mets un mom jeans. Et là c'était la cerise sur le gâteau. Et c'était vraiment parfait, il y avait des petits feux d'artifice. C'était génial. Bon je vais vous parler d'hier soir parce que soit vous avez oublié ou soit vous attendez ça depuis tout à l'heure. Si vous me connaissez bien vous savez que The Vamps c'est un peu ma bande OG. Bradley c'était mon ex love. Du coup il y a 10 jours j'étais allée à leur concert. Des good vibes. Mais j'ai vu qu'ils allaient à Paris et j'avais l'impression un peu de rater des choses. J'avais un peu la fear of missing out on something, you know, pal. Du coup, j'ai réservé un petit ticket pour les revoir. Et j'y vais avec une abonnée, ça va être trop bien. Du coup, voilà, je suis au courant que là, le mois de novembre, octobre, ça va être ultra chargé pour moi. Je vais aller voir Alec Benjamin, Why Don't We, bah, Redevamps. Et genre, I'm here for it. Enfin, la première, ça va être. Ignoble en fait. Du coup en fait il faut quelque chose pour m'apaiser à côté. Et les concerts c'est vraiment là où je me sens renaître. Genre je suis trop dans mon élément. C'est là où je suis heureuse quoi. Du coup voilà. Je ne regrette absolument rien. J'aurais trop mis en vrai cette petite tenue avec une petite ceinture noire. Mais j'en ai pas. Et du coup aujourd'hui ça va être la dernière journée. Parce que déjà la vidéo elle est suffisamment longue. Et j'ai plus de membres de ma famille. Voilà. Et j'ai vraiment envie de vous poster ça ce week-end. Oui, je suis en train de me refaire des faux fréquences. Bon, j'ai un peu la flemme et en plus j'ai pas trop le temps. Genre là, je vais aller encore en ville avec des nouvelles potes. Je sais pas, moi je voulais leur proposer une petite randonnée. Genre on prend le train, on va loin, on se casse, on va dans la campagne. Mais c'était pas trop leur délire, du coup on va en ville. Voilà. Par contre, la dernière fois que je suis allée en ville, c'était une énorme blague. Je fais ouais et tout, j'ai envie d'être healthy. Après je vais en ville, je vais prendre des pancakes avec du chocolat. Rough. Flashback quand je conduisais. Rachel a cerné un petit beau gosse. On va vous montrer après. Genre, il joue de la guitare. Elle a un petit crush. Ah, j'en veux plus. Il y a notre bus. Du coup, on a fait un petit sprint. Le bus. Ouf! C'est vraiment une psychopathe, elle lui a envoyé une vidéo de lui qui est en train de jouer. Mais il est pas encore ouvert. On vous donne une update si jamais. Ouais. Rachel vient de partir. Elle m'a soupçonné. Oh. Et j'ai un petit texto horrible en me disant que mon paquet que j'avais commandé vient de passer, genre pile poil quand je suis en ville. Ce que c'est bizarre, c'est que je suis fan de la chanson Pina Colada. Genre je l'écoute et je mange avec, je sais pas si c'est. Aussi, on en parle au Tyler the Creator, il vient trois fois à putain de Londres. Mais non, pas une seule fois Dublin, en petit Paris. Non, il tombe pas. Sinon, on dirait la tour de Pise. Voilà. J'ai pris des petites photos, direct postées sur le gram. Bon, on va arrêter avec le chinois. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'est compliqué de vous laisser là maintenant, parce que j'ai filmé toute ma semaine. Je commençais à m'attacher à vous, et puis là, vous me laissez comme ça toute seule. Ça me fait grave la peine en vrai, je sais pas pourquoi. Genre je filmais tout plein de vlogs pendant cet été, mais celui-ci, je sais pas, j'ai du mal à le finir.
bref, je vous dis au revoir et à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.